Ça vient me parler de tout sauf de toi. Derrière, t'es perdu. C'est encore cette quête de repères qui, là, chez toi, est matérialisée sous forme d'un homme avec lequel tu vis quelque chose ou avec lequel tu as vécu quelque chose. Ça me parle de. Ça vient me parler de ce côté. On m'offre quelque chose, on me le retire aussitôt. Et cette quête du pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi je n'ai pas ce que je désire, pourquoi je ne suis pas maîtresse chez moi, pourquoi je ne suis pas reine dans mon château, dans mon royaume, pourquoi on m'a menti concernant la déesse que j'étais. Et ça me reste en travers de la gorge. On m'a dit que j'étais toute puissante, pourtant je me vois impuissante. Avec quelle partie de moi je dois jouer pour reconnaître cette puissance et avoir ce que je veux. T'es en train de te demander, mais c'est comme si tu avais 50 instruments devant toi. Tu les as tous fabriqués et tu te demandes lequel jouer. Voilà ton dilemme. Voilà ce que tu n'arrives pas à faire, à choisir, à initier. Ça devient si parce que si tu en joues concrètement, si tu vas dans autre chose que la passivité, c'est là que tu peux te rendre compte que tu t'es trompé, que l'instrument, tu dois être à refabriquer parce qu'il manque telle partie. Et ça me parle de composition à deux, bizarrement. Ah ouais, ça vient de parler de ça. Ok. La composition à deux, c'est quoi pour toi? C'est que tu n'es pas la seule à construire. C'est. C'est toi et tes sentiments qui comptent. Pas ceux des autres. Tu préfères te retrancher derrière des faux semblants, ça me dit. Et pourquoi ça vient montrer ça de toi? Il y a un côté. Ah ok, je suis austère. Tes besoins sont pas calés. Enfin, il y a un truc qui joue contre toi là. Alors, on va aller voir ce que c'est. J'initie peu, mais je parle beaucoup. La moindre petite étincelle venant de l'extérieur me fait rentrer dans une extase, dans une promesse qui n'arrive pas. Et c'est ça qui te fait petit à petit te retirer du monde. C'est ça qui petit à petit te fait te retrancher dans ton château. Tu refuses d'initier, tu refuses de te prendre en compte, tu refuses de prendre en compte tes émotions, tu refuses de prendre en compte ta volupté. C'est bizarre comme mot, volupté. Tu préfères que ce soit l'autre qui fasse le pas. Que ce soit l'extérieur qui se modèle pour toi, comme si tu étais une reine et que tout le royaume s'agenouillait devant toi. Sauf que pour que le royaume s'agenouille, il faut que tu sortes et que tu montres qui tu es, que tu te montres en apparat, que tu montres que tu es reine. Parce que si tu restes caché, si tu restes
si tu restes à te nier, si tu restes à te promener en habit de paysanne, personne ne se prosternera devant toi. Ça vient me parler aussi de ta méfiance à te découvrir tel que tu es, à te découvrir colérique, à te découvrir charmeuse, à te découvrir pleureuse. Tout doit être subtilement caché. Et ça vient aussi titiller le groupe derrière. Tout doit être toujours subtilement caché. On ne peut jamais rien déballer, on ne peut jamais rien déposer clairement sur la table. Il faut qu'il y ait toujours des sortes de jeux, de cache-cache, de « je suis là, mais pas tout à fait là ». Je suis pas tout à fait là, mais je laisse une trace de moi pour que tu te souviennes à moi. Et ce système sous-tend énormément de choses dans nos vies. On a peur de... Ah oui, parce que si l'extérieur ne se souvient pas de moi, qui va se souvenir de moi ? Moi, je ne suis pas capable d'être là pour moi. D'être celui ou celle qui prononce mon prénom. On a vraiment un côté comme ça. Hein. On a besoin de cette musique, plutôt de ces stratégies, ces petites stratégies que l'on met en place pour faire en sorte que les gens viennent à nous sans qu'on ait à bouger le petit doigt. Voilà la grosse feinte. Et il y a énormément de joie derrière. Il y a énormément de... Mais en fait, c'est comme ça que je me vis. Et en fait, c'est comme ça que je m'aime. Et si c'est comme ça que tu t'aimes, bah c'est OK. C'est comme ça qu'on s'aime. Pourquoi pas? Mais derrière, je sens une forme de... Mais ça commence à plus m'aller. Mais ce film dans lequel ce scénario tourne commence à m'ennuyer. J'ai peut-être envie d'assumer l'excitation que j'ai, le désir que j'ai à moi m'imposer aux autres.